Lorsque tu sors de la maison et que tu dis « Bismillah »« tu ala Allah »« Wala wa la quwata illa billah »« Allah tabaraka wa ta'ala te protège » D'accord Alors, la question d'aujourd'hui, les enfants, c'est est-ce qu'Allah, il vit dans le monde où nous on vit Non. Alors, qui dit non, non Qui dit oui Bon, donc là, il n'y a pas de suspense. C'est très bien. On sait qu'Allah Azza wa il ne vit pas dans le monde où on le vit. Par contre, pourquoi Allah Azza wa ne vit pas dans le monde où l'on vit Et elle est là la question. D'accord Donc ici, comme d'habitude, on se pose plein de questions. Et en réalité, dans ces questions-là, dans le fait de poser ce genre de questions ou d'étudier. Ce genre de questions, ben ça nous aide à quoi Ça nous aide à connaître Allah. Il n'y a rien de plus beau dans ta vie que de connaître Allah Azza wa Qui peut me donner un moyen Parce qu'il y en a dix, il y en a plusieurs. Un moyen par lequel je peux connaître Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alors très bien, dans le Coran, dans le Coran, Allah Tabaraka Ta'ala se décrit. Un exemple. Qui peut me citer une sourate où Allah se décrit ou que lorsque tu la lis, lorsque tu la connais, lorsque tu la comprends, tu comprends ou tu sais, tu apprends plutôt à connaître Allah Azza wa Jal. Une sourate que ici tout le monde la connaît. Na'am. Mm -hmm. Alors dans la Fatiha, on apprend à connaître Allah, mais il y a une sourate qui est encore plus spécifique, elle est vraiment spécifiquement dédiée à la connaissance d'Allah Azza wa

بسم الله, الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد, قل هو الله, أحد. الله, الصمد. الله الصمد لم يلد ولم يولد D'accord Dans cette sourate c'est pour cela que si tu la récites, c'est comme si tu as récité un tiers du Coran. D'accord Un tiers du Coran. C'est-à-dire, imagine, tu prends toutes les sourates et tu lis un tiers. C'est-à-dire tu le divises en trois. D'accord tu as Pourquoi Parce que... Cette surat elle décrit Allah Et lorsqu'on lit tout le Coran On trouve qu'un tiers du Coran Quasiment Un des trois sujets Pas un tiers du Coran Mais plutôt Un des trois grands sujets du Coran C'est le fait de décrire Allah D'apprendre à connaître Allah azzawajal. Donc il est important de lire le Coran Pour connaître Allah De connaître les noms d'Allah De connaître les Nom d'Allah, quand tu connais les noms et les attributs d'Allah, tu apprends à connaître Allah. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne à, à connaître Allah. Alors, si tu euh, connais Allah, lorsque tu connais Allah, tu apprends à connaître Allah. D'accord Tu apprends à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça va faire naître dans ton cœur bah. Alors, tu voudras encore plus le connaître. Et une fois que tu vas bien le connaître, qu'est-ce que tu voudras faire Tu voudras l'adorer. Tu voudras encore plus prier. Tu voudras encore plus jeûner. Tu voudras encore plus lui obéir. Pourquoi Parce que tu vas, tu vas connaître Allah. Tu vas aimer Allah. Tu vas espérer sa miséricorde. Tu vas espérer son paradis. Et tu vas avoir peur. De l'enfer. Parce que c'est compliqué, c'est difficile, c'est très difficile d'adorer Allah si tu ne le connais pas. Et des fois, des personnes, comme elles ne connaissent pas Allah, elles ne savent pas comment euh, Allah s'est décrit dans le Coran et comment le prophète sallallahu alayhi wa l'a décrit dans la sunna, et bien en fait, ben quand tu leur dis de prier, ils ont pas envie. Pourquoi ils ont pas envie Parce qu'ils ne connaissent pas Allah à quoi ça va servir Exactement, parce que pour eux c'est alors que quand tu connais Allah, tu prends un plaisir à faire la prière, tu prends un plaisir à obéir à tes parents, tu prends un plaisir à suivre la religion de De l'islam. D'accord Donc on a dit, il est important de poser des questions, mais on doit faire attention sur la manière dont on pose les questions. Un exemple, lorsque je sais, je connais des choses sur Allah, je ne dois pas chercher comment il est Allah. Un exemple, je sais qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala il est au-dessus de son trône. Je ne dois pas chercher à savoir oui mais comment il s'est mis au-dessus? Non, Allah il ne nous a pas informé de cela, je ne cherche pas à savoir comment. Je sais qu'Allah Azza il est élevé au-dessus de son trône. Je sais qu'Allah Azza il a des mains. Ça je le sais. Je sais qu'Allah il a des mains. Mais je ne dois pas chercher à savoir comment elles sont. Est-ce que les mains d'Allah, elles sont pareilles que nos mains à nous Non. non. Parce qu'Allah dit dans le Coran, «Laysa kamithlihi shay». Répétez, «Laysa kamithlihi shay». Il n'y a rien qui lui ressemble. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à Allah Non. non. Il n'y a rien qui ressemble à Allah. Tabaraka wa ta'ala. Alors, on revient à notre question. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala n'habite pas, ou ne vit pas plutôt, pourquoi Allah jall ne vit pas euh, dans le monde qu'il a créé ben, Tout simplement, déjà, ça c'est une information importante. C'est qu'Allah, il ne vit pas dans, il, Allah jall il n'est pas mélangé à sa création. Répétez, Allah n'est pas mélangé à sa création. Allah n'est pas mélangé à sa création. Allah subhanahu wa ta'ala il est Akbar. Il est plus grand que tout. C'est qui le plus grand C'est qui le plus puissant C'est qui le plus fort Allah. Qui voit tout Allah. Qui sait tout Allah. Qui entend tout Allah. Qui contrôle tout Allah. Qui gère tout Subhanahu wa ta'ala. Donc, le monde dans lequel nous vivons, pour nous, c'est grand ou c'est petit C'est grand, es. c'est immense pour nous. Mais, Mais pour Allah, Allah c'est insignifiant. Pour Allah, c'est quelque chose de petit. Ça veut dire qu'Allah il a créé le monde. Allah il a créé les êtres humains. Allah il a créé les djinns. Allah il a créé le temps. Allah il a créé l'espace. Mais Allah ça c'est sa création. C'est lui qui les a créés. Allah il n'est pas touché par ces caractéristiques de temps ou de lieu. Allah, subhanahu wa il est en dehors. De ce qu'il a créé. Il n'est pas mélangé à sa création. Il est élevé. Subhanahu wa ta'ala. Élevé. Allah Azza il est élevé au-dessus de son trône qui est au-dessus du septième ciel. D'accord Subhanahu wa ta'ala. Également, est-ce que le monde, il a toujours existé Non. non. Par contre, Allah Azza il a toujours existé. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il n'a pas eu de début et il n'aura pas de fin. Allah, il a toujours été là. Subhanahu wa ta'ala. Alors que le monde dans lequel on vit, est-ce qu'il a toujours été là Non. Est-ce qu'il a eu un début Non. Si, le monde que l'on vit, il a eu un début. Il y a un moment où le monde n'existait pas, où l'être humain n'existait pas, où les animaux n'existaient pas. Mais Allah Azza wa il a toujours existé. Oui. Allah Azza wa il a toujours existé. D'accord, les enfants c'est pour cela qu'on a besoin d'Allah Ta'ala. On a besoin d'Allah Azza wa pour vivre. On a besoin de Lui, Subhanahu wa Taala. D'accord Donc on retient qu'Allah Ta'ala il est au-dessus de toute sa création, au-dessus de son trône, parce que le trône c'est une créature d'Allah. Le trône c'est comme le plafond de toute sa création. Ça va être l'endroit parmi les créatures, la création le plus haut, c'est le trône. Et Allah Azza wa il est séparé de sa création, il n'est pas mélangé avec ses créatures, il est au-dessus, il est élevé. Donc, si je te dis où il est, où Allah il est, de il est tout en haut, élevé au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala. D'accord Et on termine la leçon d'aujourd'hui par un hadith que nous rapporte Abdullah ibn Mas'ud. Répétez, Abdullah, Abdullah ibn Mas'ud. Mas Et ça, c'est une parole de Abdullah ibn Mas'ud. Il ne rapporte pas cela du prophète, alayhi salatu wa salam, mais, donc ça s'arrête à Abdullah ibn Mas'ud, mais ce qu'il dit, il n'a pu l'entendre que du prophète, alayhi salatu wa salam. C'est pour cela qu'on considère cela ça a le même statut qu'un hadith. Qu'est-ce qu'il dit Il dit l'espace qui sépare le ciel le plus bas de celui qui le suit. Parce que regardez le ciel. Quand vous, vous levez la tête et vous regardez le ciel, regardez à la fenêtre là-bas, on voit le ciel. Et y a, sachez qu'au dessus de ce ciel, il y a un autre ciel. Nous on voit que le premier ciel. Vous savez c'est entre le premier ciel et le deuxième ciel, il y a combien de temps Si tu dois marcher, du premier jusqu'au deuxième, 500 ans de marche. Tu commences maintenant et tu arriveras dans combien de temps, Abdullah Dans 500 ans. Abdullah, il est choqué, regardez-le. 500 ans. D'accord Et du deuxième ciel au troisième ciel, combien de temps 500 ans. Du troisième au quatrième. Du quatrième au cinquième, du cinquième au sixième, du sixième au septième. Écoutez, écoutez ce qu'il dit. Ensuite, entre le septième ciel, donc on arrive au septième ciel, il y a le Kursi. Le Kursi, c'est l'endroit, c'est le repose-pied. Le Kursi, alors nous, quand on parle dans la langue arabe, on dit le Kursi, c'est une chaise. D'accord Mais ici, lorsque l'on parle de Kursi dans le Coran, le coursi d'Allah, son coursi, il est plus grand que les cieux et que la terre. Alors, entre le septième ciel et le coursi, il y a 500 ans de marche. Encore 500 ans. Et ensuite, au-dessus du coursi, qu'est-ce qu'il y a Il y a de l'eau, comme un grand océan. Et entre le coursi et cet océan... Il y a également 500 ans de marche. Et au-dessus de l'eau, au-dessus du, du, de cet océan, il y a le trône, el-Arsh. Répétez, el-Arsh, el le trône d'Allah Azza wa Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône, élevé, séparé de sa création, subhanahu wa ta'ala. Écoutez ce qu'il dit après aucune de vos actions ne lui échappe. C'est-à-dire qu'il voit tout. Même s'il est tout en haut, faut pas croire qu'Allah, il est loin de toi. Allah, il te voit. Allah, il t'entend. Allah, Subhanahu wa il sait exactement ce que tu penses dans ton fort intérieur. Et une dernière question après on termine. Lorsque tu t'adresses à Allah, en quelle langue tu dois parler à Allah lorsque tu fais des deux mmh. En quelle langue tu dois parler à Allah mmh. Selim euh, Tunisie. En Tunisie mmh. Alors, mmh. La, tu la Tunisie, est-ce que c'est une langue non. La Tunisie, c'est un pays. Donc, Tunisie. en tunisien, si tu veux. Tu parles. Na en, arabe. en arabe. La langue que tu parles. L'arabe la littéraire. Toutes les langues. Toutes les langues, exactement. On va. On va reprendre les de là. Pourquoi Parce que si quelqu'un ne parle pas l'arabe, un exemple, des fois, quelqu'un ne parle pas l'arabe. La, il ne sait pas parler l'arabe. Moi, un exemple, quand j'étais petit, je ne savais pas parler l'arabe. Ma maman, mon papa, il, ils ne savaient même pas, eux, en tout cas ma maman, elle ne sait pas parler l'arabe, encore aujourd'hui. Faites des deux a pour ma maman. Hein Mais, pour vous dire, moi, je ne savais pas parler l'arabe. Je ne connaissais pas, rien du tout. Mais est-ce que, c'est pas parce que je ne savais pas parler l'arabe que je ne devais pas faire des A Non, Allah ta'ala, ta il comprend, Allah azza il comprend tout, ta'ala. D'accord les enfants Et c'est Allah azza wa qui a créé toutes les langues, Allah ta'ala, il a créé l'être humain. Et il a créé l'être humain de différentes couleurs, de différentes manières, de, avec des différentes langues, afin qu'on s'entre-connaisse, afin qu'on cherche à se connaître. D'accord Bien sûr, c'est meilleur quand tu fais des do'as, de les dire en arabe, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a dit. Ça, c'est la meilleure des choses. Par contre, si tu ne connais pas, tu ne sais pas, il ne faut pas rester comme ça et tu ne fais pas des do'as. Non, lève tes mains toute ta vie, tout le temps, peu importe où tu es. Tu lèves tes mains et tu demandes ce que tu as besoin à Allah ta'ala et une des meilleures invocations que l'on peut dire, répéter, « Rabbana, Atina, Atina, Hasana, Wafil Achirati, Hasana, Wakina, Waqina, Très bien les enfants la 'ala muslim apprendre la science est une obligation pour chaque musulman